Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog au local. Parce qu'on l'aime ce local, parce qu'il est beau, c'est chez nous, c'est notre maison. Et qu'on fait des bagnoles. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, comme vous avez vu dans le dernier vlog, on a fait, du moins ils ont fait, parce que j'étais pas tout le temps là, circuit de frein pour l'avant. Là, ce qu'il faut faire, et bah, tout simplement, c'est continuer le circuit de freinage et le circuit d'essence. C'est le pitch du week-end. Faire peut-être une partie du circuit du R. Et en théorie, je dis bien en théorie parce qu'on l'a annoncé mille fois, mais on l'a pas fait mille fois. Et bien, tout simplement, poser le réservoir et on aura déjà bien avancé pour un petit week-end de deux jours, si on peut bien sûr bricoler pendant deux jours. Ce qui est sûr, c'est que là, on est samedi, on va pouvoir bien bricoler. Et le but, c'est d'avancer. Let's go. On est beau, on est bon. N'oublie pas, comme d'habitude, si tu veux nous donner un coup de pouce et nous donner un coup de main, à passer sur le site de Yamamichi Universe. Si tu kiffes notre délire, il y a nos stickers qui sont dispo. Et il y a plein d'autres choses. Yamamichi Universe fait plein de trucs super cool pour le milieu de l'auto. Let's go. Le lien, il est dans la description. Dans la description, excusez-moi, je parle chinois maintenant. Et bah let's go. Bon, moi pendant ce temps, petite mission, monter les durites de radia qui vont en lieu et place. Bien les notifs. Bien. Juste là. C'est les notifs, ouais, c'est ta mère, elle m'a envoyé un message. Ah putain, elle est avec la team en train de faire un barbecue. C'est ça, Tupac, hein. Ils sont avec Tupac et, Tupac et MJ. Ils sont en live. Ça te fait rire, hein? Ça te fait rire, enculé. Ouais, on est laissé là pour en faire ce genre de balle. Qu'est-ce qui t'entre? Injection de la chiota! Ouais! Comment je le kiffe ce bouton! Encore une scène bouclée. Exactement. En fait, je vais finir par télécharger le film pour les cuts. Flo, il nous a chromé nous a nettoyé les petits colliers, hein. Donc ça va bien parce que ça brillait pas assez pour lui. Alors du coup, bah, il a tout refait propre. Pardon,
Bon, du coup, ça y est. Les durites, tac, tac. Et la dernière durite de Radia, c'est monté. Ouais, durite de Radia, c'est bon. Ouais. Maintenant, toutes les autres durites. Là, tu t'attaques à quoi? Là, ça, c'est la durite de la... qui part de la culasse et qui va dans le radiateur de chauffage. Yes, yes. Après, là, t'as le retour. Mm-hmm. Et après, nous, on a une durite qu'on doit mettre jusqu'à la pompe à eau. Ouais, la durite... celle-là. Ouais. Yes. Bon, du coup, ça y est. Hop là. Les gueules de frein. On a enfin fini. Du coup, faut qu'on s'attaque à remettre la durite d'essence. Et potentiellement le réservoir, enfin. Bon, l'idéal, ce serait bien que le réservoir, il soit. Non, mais voilà, on a bien avancé. D'essence après l'avoir peinte, on a terminé la durite de frein qui va à l'arrière, donc maintenant on va remettre le réservoir que je vous pose et on entame ça. Ça brille. Je crois que ça brille. Je crois que ça brille, hein. Je crois que mission accomplie là. Ouais. Bon bah. Essence. Ok. Essence. Ok.
ça je pense que c'est sec. Pour en remonter. Voilà, donc petite patte modifiée pour notre nouveau cap d'accélérateur. Eh ben, le nouveau câble il est quelque part. Ah voilà. Voilà, avec un petit clip en fait. Du coup il a fallu que je fabrique un petit rond pour pouvoir clipser. Bon, ça, on va remonter ça et puis voilà. Hein. Après il faudra fabriquer la petite patte qui vient là, c'est tout. Ouais, qui vient après au niveau des carbus. Ouais. Je crois que ça va être bon la longueur aussi. Ah bah j'espère, sinon on n'est pas dans la merde. Voilà. Il y a des tapis de sol. Il n'y a pas de siège avant quoi. Mais d'ailleurs faut que je fasse attention quand je filme là. Bah là c'est. Ah, vous n'avez rien vu. Attention, ah, tu sais quoi. Attends. Ils ont entendu le bruit. Ils ont entendu le bruit, tu sais quoi, regarde. Attends, on va passer. Attends, je vais le refaire. Non. Vas-y. C'est du cuir. C'est du cuir. Attention, on l'a pas vu. Eh ben non. C'est valo. Eh ben c'est valo. Assieds-toi dedans, tiens. Je peux même m'asseoir dedans. Voilà. Deuxième indice. Deuxième indice, Flo est assis dedans. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Et oui, la réponse est une 21. Bien joué. Merci d'avoir participé. Ça va venir. Non, mais c'est pas grave. Si jamais on a des plans, Johan, il les floutera et... Et là, il doit se dire, putain, les enculés, il va falloir que je re-regarde tous les rushs. Faire ça, ouais. Que je regarde s'il n'y a pas un plan où on les voit. C'est dommage. Non. On peut leur montrer maintenant que on en a mis un. Ouais, on en a mis un. Mais ils vont voir le avant-après, surtout. Oui. C'est toujours qu'un test, en fait. Alors, dites-nous dans les commentaires si vous avez deviné de quoi il s'agit. Mais il nous faut des précisions. Ça sert à rien de nous dire... C'est un pommeau. Non, le pommeau est déjà là. Oui, mais c'était l'exemple. Dites-nous dans les commentaires, qu'est-ce que c'est exactement, avec des détails. Ah, avec des taille, détails. Forme, couleur, poids, gabarit. Et ça commence par un R. Ah. Là, je pense que... Un retour avoir... de carburant. Non. Non, c'est un R et c'est une marque. Une marque bien connue dans le monde de l'automobile. Une marque connue dans le monde de l'auto qui commence par un R. Eh bien, vous direz dans les commentaires si vous avez trouvé de quelle marque il s'agit. On ne peut pas vous en dire plus. Mais petit indice, c'est une marque connue de l'auto qui commence par un R. C'est ça. Semaine prochaine. Semaine pro ? Ouais. Alors là, c'est marrant, tu vois, tes fenêtres sont tellement opaques qu'on voit pas. Non, on voit pas. Eh oui, c'est ballot. Je voulais vous faire un petit plan. Vous allez devoir vous contenter du reflet du drapeau Drift Shop dans la... Ah, le seum. Si je me mets comme ça, vous allez pouvoir vous contenter du haut d'un élément. Oh. Ah, ils ont commencé à avoir la forme, mais ce sera tout pour le moment. Ce sera tout. Bon. Donc... On a terminé de monter ce petit réservoir. Le circuit d'essence est quasiment prêt. En fait, il va nous rester juste... Hey, je vous ai encore eu, vous allez pas le voir. Il nous reste juste à monter la petite pompe à essence. Il va sur le réservoir qu'on a remis en place. La durite là à connecter aussi. Le puits de jauge à remettre en place. Et une fois que tout ça, ce sera fait, il faudra fabriquer aussi les durites qui vont là. Et raccorder aussi de l'autre côté, du coup, notre petit câble d'accélérateur qu'on a fini de passer. Enfin, du coup, ils ont mis là. Oui, en attendant, au moins, histoire de dire qu'il est à peu près guidé. Voilà, donc il va sortir par ici, mais en fait, il faut qu'on le fasse sortir de l'autre côté. Parce que sinon, là, on n'ouvre pas les papillons. À fond. Vraiment qu'il arrive par le dessous, légèrement incliné vers le bloc. Vraiment là. Ouais. Enfin, vraiment par en fait, là. La patte, faudrait qu'elle soit dans l'autre sens. Faudrait que l'anneau soit là-bas. Ouais. Et si l'anneau il est là, en fait, ça tombe pile poil au bon endroit. Mais là, je peux rien faire avec celle-là. Donc. Il faudra qu'on en fasse une. Donc, ouais, voilà. Faudra en fabriquer une patte un peu mieux. Parce qu'on a essayé à l'envers, hein, bien entendu. Quand vous nous disiez de retourner la patte, ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est du coup des trous. Ça. Voilà. Bah, vite fait, avant de partir, on va prendre aussi mesure de notre tuyau. Là et là.
Et là et là-bas. Et là et là-bas. Et aussi du petit là et du petit qui a là-haut. Et puis on va tout noter, comme ça il ne restera plus qu'à commander ça. Et semaine prochaine, on finit de remonter du ride de flotte du coup qui vient jusqu'à celle-là. Celle-là en fait, elle bypass les durites du carbu d'origine. Elle se raccorde. Oh, j'arrive pas à filmer. Elle se raccorde. Allez, s'il te plaît. Allez, voilà, à peu près. Ah, la durite qui revient de notre radiateur d'habitacle. Enfin, oui, radiateur d'habitacle. Ouais, c'est ça. La petite qui sort du bloc, il faut qu'on la relie. Il y en a une autre petite en fait qui ressort juste ici. Tac. Il faut qu'on la relie à celle-là. Faut qu'on la relie, ouais, comme celle-là. Donc le petit durite à faire un bouchon. Donc on commande le petit bouchon de lui. Un petit bouchon pour celui-là. Un petit bouchon pour le puits de jauge aussi. Pour le retour de réservoir qu'on a plus besoin. Voilà. Et après, une fois qu'on aura mis les durites de refroidissement et qu'on aura fabriqué la pâte, et ben on repose les carbus, on met l'accélérateur et on commence à vérifier si tout est bon à ce niveau-là. Et après, on met le tuyau d'arrivée d'essence. Ouais, et comme ça, bah, je crois que t'es fait. Bah après, en fait, on pourra limite mettre en huile et essayer de la faire péter. Un échauffement libre comme ça. Bah non, on mettra le collecteur quand même, ouais, au moins. On mettra le collecteur, mais. Au moins, histoire de dire. Ouais, voir si elle pète. Ouais, déjà, voir si elle tourne. Parce que ça se trouve. Ça va avoir du mal à démarrer prochainement prochainement on va peut-être faire les essais. Bref, vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de ce vlog. Oula, j'aurais pas dû m'allonger comme une merde dans la bagnole. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, tu connais la chanson, n'hésite pas à partager la vidéo, à nous laisser un commentaire, à lâcher un like et bien entendu à aller faire un tour sur le site de Yamamichi Universe si jamais tu veux te procurer nos stickers ou si tu veux juste acheter du merch autour de l'automobile, si tu veux profiter de ta passion et nous faire un petit coucou entre guillemets, tu trouveras donc nos stickers là-bas. À des prix défiant toute concurrence, attention, on s'en est assuré. Je crois que c'est tout. Hein. Prochaine semaine, du coup, comme on vient de dire, on termine le circuit d'essence. On termine aussi le circuit de refroidissement. On peaufine les derniers petits détails pour le cap d'accélérateur. Il faut que je fasse encore la durite la durite qui va de l'émetteur au récepteur d'embrayage. Sinon, ça va être un peu dur de passer les vitesses. Parce qu'on n'a pas encore l'embrayage by wire. Qu'est-ce qui restera d'autre aussi? Oui, tirer les durites qui vont à l'avant du R. Ce qu'on devait le faire aujourd'hui, mais au final, on a un peu traîné sur le réservoir. Donc voilà, il restera les deux durites qui vont à l'avant du R à passer. Et c'est déjà pas mal. Donc on se retrouve dans une petite semaine. Toujours de bonne humeur, toujours sur la chaîne du Midnight Society. En attendant, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, matinée, comme tu veux. Voilà, bon appétit. Et n'oublie pas... Oh, il y a une abeille de fou, là. Casse-toi, en fait. Je fuis. Ces merdes me tuent. Bref. Mais elle me suit, la pute. Je suis pas en miel. Casse-toi. Bref, pas plus vite qu'à fond, mais doucement quand même.